Depuis le Moyen Âge, des pèlerins traversent la baie et parcourent 6 km à travers l'eau et le sable pour atteindre l'abbaye. Pour photographier ces pèlerins, Jérôme va faire équipe avec Alexandre Moore, un guide de la baie. Allez-y tranquillement, marchez doucement. Faites attention, ça va être un peu glissant, ça va être un peu mou sur la fin. Ça ira? Ça va aller, voilà. Allez-y bien doucement, ça glisse et c'est un peu mou. On y va cool. Avec plus de 1500 traversées à son actif, Alexandre est l'un des meilleurs guides de la baie. Il aide les pèlerins à franchir les passages les plus difficiles. Marchez tranquillement. Vous pouvez passer là, messieurs. On y va tranquille, tranquille, tranquille. Parmi les dangers, il y a les sables mouvants, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait très attention, nous, au passage qu'on va emprunter. Et puis, il y a la marée, bien évidemment. Ça, ce sont les deux gros dangers. Ensuite, il y a la météo qui peut être un gros danger, l'orage et le brouillard. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce genre de problème. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les sables mouvants. D'accord ? C'est un peu la chose typique, mythique un peu du Mont-Saint-Michel. Et on va essayer d'en trouver. Je pense qu'ici, on peut en trouver. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Venez bien autour de moi. Bien autour. Et on va bien danser la petite samba normande. Allez, on est parti. Voilà, vous commencez à sentir que ça bouge. On sent. Voilà, ça, vous sentez un peu l'eau sous le sable, là? Oui. Voilà, c'est très bien. Si on piétine sur place, ah oui, on s'enfonce. Alors, vous voyez, on peut s'enfoncer maximum jusqu'à la poitrine. Parce qu'on a deux grosses poches d'air qui nous permettent de flotter dans l'eau, vous voyez? On a de l'eau, là, sous le sable. Ah, oui. Vous pouvez attendre tranquillement, en bronzant, sous le soleil normand. Ouais. Oh. Oui, voilà, j'ai vu ça. Tranquille. Et la mer finit par remonter. Et ici, vous avez à peu près 2 à 3 mètres d'eau en grande marée à marée haute. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a jamais de tuba assez long pour s'en sortir vivant. Donc c'est quand même un danger mortel. Donc pour ressortir, eh ben, on gigote une jambe, on casse le ciment de sable autour de nous. J'ai l'impression qu'on a des bottes. Hein. Ah oui, hein. Et ensuite, on se met sur un genou et on refait la même chose avec l'autre. Voilà. Le danger, c'est que des gens, des fois, ils cherchent à tirer. Oui, parce que... Et quand on tire, ben, on se fait mal et on peut faire mal à la personne qu'on cherche à sauver. Alors que là, vous voyez, on sort tranquillement.